Le match entre les deux PFC, le Paris FC qui reçoit le Pau FC aujourd'hui. On aurait pu penser à un duel des extrêmes au vu en tout cas de la différence des budgets, des projets. Mais c'est bien un match de deuxième moitié de tableau. Penseur, recoutez à tout cela avec le Paris FC. Oh, le bon appel dans le dos de la défense avec la sortie. Quel plongeon de la tête façon Manuel Neuer. On a une pensée pour notre ami Vincent Magnès, notre ami commun. Côté droit avec une opportunité pour Séguré. Le bon centre qui va filer le long de la ligne de but mais qui ne va pas sortir. Plutôt très intéressante et amène cette supériorité avec une ligne de 4 attaquants. Donc il va falloir... Oui, avec cette bonne tête, attention qui va passer juste à côté. Jean-Baptiste Pirat qui a inscrit le plus beau but du championnat de MLS 2014-2015. J'essaierai de vous le montrer. Attention avec... c'était Cissé qui avait pris le dessus bien sûr. Par Berest, Brest... Attention, ce ballon dans la surface de réparation. Bernard Mangelari, le bon centre, ça a été contré au dernier moment. Débordement là, côté droit, Banzai. Oh, Banzai, la feinte, il va rester pied droit pour centrer. On avait laissé passer du côté de Rivas Marouani. La frappe à venir, c'était l'œuvre bien sûr de Nicolas Sezemba. A pu s'adapter en tout cas à cette notion. Oh, attention, ce bon centre avec Sanchez qui va prendre la tentative, ça va passer juste à côté. Suite à une relégation nationale. Oh, peut-être une opportunité avec le petit centre piqué de Cissé. Il y avait eu surtout une bonne tête de Nanine Zayamo. Henri Pizier qui a vraiment un peu métamorphosé le front de l'attaque du côté palois. Bon, il n'a jamais été très rapide. Attention avec ce bon ballon dans la profondeur. On a été un peu déstabilisé. On a joué le coup à fond et pénalty. Pénalty signalé par Pierre Gayouste. Henri Pizier face à Alexis Thébault. Moment important. Oh, la petite Panenka d'Henri Pizier qui vient ouvrir le score ici au Stade Charletti. 1-0 pour le Pau FC. Au pire des moments pour le Paris Football Club. Avec pourquoi pas ce débordement là du côté de Bissimezu qui va centrer fort. C'est ce qu'il fallait faire. Oh, attention avec Rivas Marouani qui va avoir un bon ballon. Oh, s'il décale, il avait vu Sanchez, il a servi finalement cet aiguillon. Voilà, d'une certaine fatalité. Oh, attention, Henri Pizier. Attention à la sanction, Henri Pizier. Oh, qui a été fauché dans la surface de réparation. Là, pour le coup, c'est toujours compliqué d'en siffler deux. Je sais pas vous, mais il s'est loupé et c'est terminé. Voilà, le Paris FC qui enchaîne sur une quatrième défaite consécutive